Salut la compagnie. Je voulais faire une petite vidéo comme j'en avais déjà parlé pour apporter des petites précisions sur Neom. Des précisions notamment sur la nanotechnologie, sur sur un tas de trucs, plein de petits détails, finalement pas grand chose, mais pas grand chose de plus que la vidéo précédente de Neom, mais finalement des petits trucs qui sont restés en zone d'ombre, si je puis dire. Donc voilà, donc comme vous le savez maintenant, Neom c'est un projet énorme décidé par Israël et financé en quelque sorte par l'Arabie Saoudite, hein, et son actuel prince. On le voit un peu partout dans les médias d'ailleurs, hein, le prince qui est très favorable à l'intelligence artificielle, très favorable à l'amélioration des technologies, à l'évolution des technologies. C'est pas pour rien, hein. C'est tout à fait lié au projet Neom. Donc, projet pharaonique à quelques 500 milliards de dollars. Donc, c'est pas rien quand même, hein. Un demi-milliard de dollars. Dans une zone aux abords de la mer Rouge. De la taille quand même, ça sera. Je précise quand même que ce sera une ville, une mégalopole, qui sera de la taille, comme je l'avais dit dans la vidéo sur Neom, de la taille de la Bretagne. C'est pas rien comme truc, hein. Bon. Donc c'est une ville qui concentrera toute la technologie possible, et puis évidemment l'humanité qui aura malheureusement, non pas vendu son âme au diable, mais qui se sera fait avoir par la fausse lumière, qui se sera fait avoir par les Lucifériens. Qui se sera fait avoir par la réalité artificielle, par l'intelligence artificielle, par la densité, par l'ego. Et voilà quoi. Donc, comme je vous ai dit, hein, il y aura une scission, hein, de l'humanité entre celle qui gardera ses origines divines dans la réalité divine et puis celle qui, malheureusement, se fera piéger par ces salopards qui veulent asservir l'humanité davantage, encore plus et plus longtemps. Donc, tous les moyens sont bons, hein. Alors, ce sera une mégalopole où toutes les technologies les plus futuristes seront à même de diriger tout, hein, de soigner toutes les maladies, même les fameux cancers, sida et compagnie. Donc, les maladies les plus, je dirais, celles qui sont insoignables, entre guillemets, hein, selon la médecine traditionnelle et selon les scientifiques au service du système. Alors que c'est tout à fait soignable par les plantes et par les ondes. Enfin bon, bref. Donc voilà ce qui va se passer. C'est à horizon 2020 que ça commence, les travaux, hein, et qui vont se prolonger sur une quinzaine, voire une vingtaine d'années. Donc 2035, 2040. Bon. Et donc ce projet Neom, personne ne dit que ce sera le seul. Il y en aura peut-être d'autres dans le monde, hein, des mégalopoles, mais je pense que Neom, ce sera vraiment le centre de ce monde, le centre de ce monde artificiel, hein, d'accord, de ce nom, ce nouvel ordre mondial luciférien, hein, de la fausse lumière. Cette ville donc sera dirigée par l'intelligence artificielle et en l'occurrence par l'ordinateur quantique. J'avais oublié d'en faire mention dans la vidéo précédente sur Neom, donc l'ordinateur quantique, qui existe déjà plus ou moins, hein, mais qui va prendre toute sa valeur avec Neom. Pensez un peu à votre ordinateur de salon, votre PC portable ou non portable, hein, peu importe. Pensez à votre ordinateur de salon et à toute machinerie actuelle qui réfléchit, qui évolue sur le binaire, le code binaire, d'accord? Donc, qui a de la programmation faite de 0 et de 1. C'est-à-dire qu'elle aura le choix entre oui ou non. Vous voyez? Entre noir ou blanc, entre ombre ou lumière, vous voyez?
C'est-à-dire que voilà, il n'y aura que deux possibilités, une chose ou son contraire. Voyez? Donc c'est ça l'ordinateur actuel. Mais imaginez maintenant l'ordinateur quantique qui lui aura le choix entre le 0 ou le 1, ou alors il pourra choisir entre le 0. Comment dire? Il pourra choisir soit 0, soit 1, ou alors 0 ou 1. C'est-à-dire qu'il pourra, selon certaines conditions, selon certains facteurs, un jour décider que ce soit 0 et le lendemain, pour la même chose, décider que ce soit 1 en fonction de certaines conditions. Vous voyez, il aura cette puissance-là, l'ordinateur quantique. Donc, un mode de calcul, 1 million de fois, j'exagère peut-être la chose, mais 1 million de fois supérieur à l'ordinateur actuel que vous avez dans votre salon, c'est-à-dire que. Il réfléchira tellement vite qu'il réfléchira plus vite que vous, sachant que vous, votre cerveau est bridé à la naissance, comme je vous l'avais déjà dit, par ces entités interdimensionnelles qui veulent nous asservir. Et qui, au final, sont à la base de cette intelligence artificielle, d'accord? Sont à l'origine de notre asservissement. J'y reviendrai peut-être. Donc voilà l'ordinateur quantique, c'est ça qui va diriger la cité de Neom et finalement le monde entier. Comme je vous disais dans la vidéo précédente, il y aura un e-gouvernement, c'est-à-dire il y aura un gouvernement qui sera non pas géolocalisé, mais qui sera à travers tout le monde et qui travaillera par connexion Internet. Comme on voit dans les films de science-fiction, en gros, vous voyez un mec qui est présent à un endroit, et puis tout autour de la table, des écrans d'ordinateur avec la tête de ceux qui sont ailleurs dans le monde. C'est ça, hein? Ce sera ça le e-gouvernement. D'accord? Vous aurez par exemple Poutine qui sera le président du nouvel ordre mondial, et puis vous aurez à gauche Trump sur un ordinateur, Macron sur l'autre, ou Le Pen, parce que Macron, peut-être bien que ses jours sont comptés. Voilà. Voilà ce qui va se passer. Alors. Est-ce qu'il sera possible d'échapper à ça? Si vous gardez votre divinité, il y aura toujours possibilité d'échapper à ça. Ceci étant dit, tout est fait pour que toute l'humanité accepte ce futur artificiel, par plein de procédés, par plein de méthodes. Tout est fait pour que l'humain se dirige vers cette intelligence artificielle, ce futur technologique, d'accord? Cet antichrist. Parce que l'intelligence artificielle, c'est ça, c'est l'antichrist. Comment est-ce que j'en suis arrivé à cette conclusion-là? L'intelligence artificielle, finalement, tout ce qui est contrôle, surveillance, tout ça, c'est Big Brother, on appelle ça Big Brother, d'accord? L'œil, d'accord? Le fameux œil. Rappelez-vous donc dans certaines prophéties et certains textes illuminatifs, francs-maçons, ou qui disaient que l'antéchrist et l'antichrist, hein, puisque c'est la même chose. L'antéchrist, c'est avant le Christ, donc qui reviendra avant le Christ, et l'antichrist, c'est contre le Christ, donc c'est contre le divin, donc c'est l'artificiel, d'accord? L'intelligence artificielle, l'œil, Big Brother, l'œil. On vous a dit qu'il y aura un. Ce sera quelqu'un qui sera borgne, qui n'aura qu'un œil. D'accord? Donc voilà, Big Brother, c'est ça. C'est ça l'Antichrist. C'est pas une personne en particulier. C'est pas une entité. Entre guillemets, parce que finalement, l'intelligence artificielle, à un moment donné, on va prendre ça pour une entité. Il y a des entités interdimensionnelles qui sont régies, qui sont dirigées par l'intelligence artificielle. Notamment, pourquoi pas, les humains du futur, hein, les petits gris. Moi, je reste persuadé que les petits gris, ce sont les humains du futur et que ce sont eux qui manigancent un petit peu tout ça. D'accord? À l'aide des Anunnakis et des reptiliens, s'ils existent. Moi, j'ai envie qu'ils existent dans ma réalité. Parce que ça expliquerait plein de choses, tout simplement. Donc je m'éloigne un peu là. Donc voilà, l'antichrist, c'est ça, hein. Le borgne. Le borgne, c'est Big Brother, c'est l'intelligence artificielle. Donc tous les moyens sont bons pour que l'humanité accepte et même demande cette intelligence artificielle, cette technologie, tout est fait pour. Donc tout est fait pour que
tout est fait, toutes les manipulations, les technologies possibles sont utilisées pour que l'humain aille dans ce sens-là, notamment les chemtrails, la vaccination, la bouffe, tout ça, tout est lié. Dans les chemtrails, vous avez par exemple, on vous dit il y a des métaux lourds et tout, oui, mais il y a aussi de la nanotechnologie, je vous en ai déjà parlé dans ma vidéo sur les chemtrails, hein, il y a les polymères. Tiens, par exemple, imaginez une seconde que cette histoire de reptilien, ça soit réel, que ça existe, d'accord? Je vous ai déjà parlé du black go, le black go, cette huile noire qu'on voit dans X-Files, là, qui bouge toute seule, d'accord? C'est des polymères, ça, d'accord? Donc le pétrole, c'est du pétrole, d'accord? Mais avec une technologie à l'intérieur, nanotechnologie. Et c'est reptilien. Ça serait reptilien, d'accord? De toute façon, on le voit bien dans X-Files, par exemple. On le voit il y a des courts-métrages également qui existent là-dessus. Il y a plein de trucs, même il y a des textes, il y a des témoignages qui parlent de gens qui étaient possédés, qui avaient une espèce d'huile noire qui coulait des yeux, des orifices, des oreilles, de la bouche. C'est fait de polymères nanotechnologiques, d'accord? Donc à la fois organique et technologique. La biotechnologie. Tiens, qu'on veut utiliser d'ailleurs dans Neom. Bon, donc voilà, la nanotechnologie dans le plastique. C'est ça, pétrole, c'est plastique. Le PVC, oui, ces filaments polymères que vous voyez tomber quand les chemtrails, quand il y a des chemtrails, les épandages chimiques, d'accord? C'est de la nanotechnologie, ça va créer la maladie des morgelons. Les morgelons, c'est ça, c'est des nanites, hein, c'est des petites bébêtes, là, des nanobots, de la nanotechnologie. Donc, vous en respirez tous les jours. Je vous disais dans la vidéo sur Neom, ne dites pas, j'ai pas de nanotechnologie en moi, c'est faux, c'est complètement faux. Tout le monde en a. Tout le monde. Vous en respirez avec les chemtrails, vous en bouffez avec les vaccins, vous en bouffez avec la nourriture industrielle. D'accord? Avec les vêtements, avec plein de choses, hein, la nanotechnologie. Vous la respirez, d'accord? Les chemtrails, c'est fait pour ça, en partie. C'est pas que pour ça, d'accord? Les métaux lourds, par exemple, le barium, c'est fait pour les hologrammes. L'aluminium, c'est fait pour les lobbies pharmaceutiques. Ça crée de la maladie. Par exemple, Alzheimer, Parkinson, le saturnisme, enfin plein de maladies comme ça qui sont créées à cause de l'aluminium, d'accord? L'aluminium est extrêmement dangereux pour le corps humain, mais aussi pour la planète, d'accord? Qui est également un organisme. Enfin, la planète. Oui, pour la planète, mais également pour tous les mondes qui sont sur cette planète. Les sept mondes. Donc, voilà. Voilà, je disais donc dans les vaccins, on vous fout aussi de l'aluminium, hein, d'ailleurs dans les vaccins. Il y a plein d'autres métaux lourds, hein, tout ce qui est strontium, plomb, cadmium, mercure. Enfin, vous voyez, pourquoi est-ce qu'on retrouve dans les poissons par exemple du mercure, du plomb? C'est abominable, c'est abominable. Dans l'eau de consommation, dans la neige, il y a de l'aluminium, il y a des polymères plastiques, hein, il y a de la nanotechnologie, hein, on vous l'a déjà montré, hein, on est plusieurs à avoir montré ça dans les vidéos, la nanotechnologie dans la neige, d'accord? La neige plastique, entre guillemets, hein, c'est des polymères, c'est pas du plastique, vraiment. Dans la bouffe, alors la nanotechnologie, elle est dans la nourriture. Toutes ces crèmes au chocolat, là, Mont Blanc et compagnie, les barres chocolatées, les plats cuisinés préparés. Ouais, il veut passer à l'écran. Alors je vous le montre. Hein. Il veut absolument passer à l'écran. Voilà, t'es content. T'as montré à tout le monde que t'étais là. C'est bon, je peux continuer maintenant? Oui, je peux. Je peux. Je peux. Je peux. Oh là. Allez, reste là, reste là, reste là. Bon, donc voilà. Vous savez, vous regardez les emballages, les crèmes Mont Blanc, les crèmes dessert, et plein d'autres desserts au chocolat et tout ça. Vous voyez des E quelque chose là, E510 ou E. Je veux pas dire de bêtises, je les connais pas. Les E110, tout ça, c'est de la nanotechnologie. Et oui, et oui, et oui, et oui. Ce sont des additifs.
à base de nanotechnologie. Bah ouais. Les plats cuisinés, c'est pareil, vous en trouvez. Les plats surgelés cuisinés. On pourrait très bien vous faire des conserves, des plats cuisinés comme dans le temps, sans additifs, sans rien, et ça marchait très bien. Hein. Comment a fait votre grand-mère, comment ils font les anciens avec leurs conserves en bocaux et tout ça. Il n'y a pas d'additifs, hein, ou très peu. D'accord? Ça marche très bien, ça se conserve. Pourquoi on ne le fait pas dans le commerce? Il y a bien une raison. Il y a bien une volonté de contaminer la population avec ces nanotechnologies. Dans les vêtements, pareil, vous avez des vêtements en polymère et tout. Ben oui. Synthétique. À moins de tuer des animaux et d'avoir du cuir. Bon. Eh oui. Donc partout. On vous en balance même, vous en bouffez dans vos légumes, dans votre jardin, puisque les lobbies agrochimiques et compagnie comme Monsanto et tout, ils en balancent. Hein. Ben oui. Non seulement pour rendre malade vos plantes et vous apporter donc le remède avec leurs produits chimiques qui vous tuent, qui vous contaminent, mais en plus ils vous balancent de la nanotechnologie pour vous contaminer. Bon. Tout ça c'est lié au militaire également, hein. Tout est lié. Donc voilà, il y a plein de moyens de pousser la population à aller vers les nouvelles technologies. Parce qu'à partir du moment où vous avez de la nanotechnologie en vous, on peut vous manipuler avec les ondes à harpe, avec les ondes électromagnétiques de la puce RFID, du Wi-Fi, du Bluetooth. On peut programmer ces nanobots qui sont à l'intérieur de vous, d'accord? Ces nanites qui sont à l'intérieur de vous, on peut les programmer. À partir du moment où ils sont à l'intérieur de vous, on peut maintenant les programmer avec des ondes électromagnétiques. D'accord? Avec des mots-clés aussi, des programmations dans les programmes télévisés, dans la musique, dans. Vous voyez? Le scientifique favori d'Hitler, là, il a transformé la musique de 437 à 440 Hz, c'est pas pour rien. C'est pour désorganiser vos propres ondes électromagnétiques, vos ondes cérébrales, votre ADN et tout, et le réécrire à partir de cette nanotechnologie qui est en vous. Ça fait peur, hein, on se croirait dans un film de science-fiction, là. Mais même, admettons que ce soit faux, vaut mieux être prudent. Regardez le ciel, hein. Moi j'invente rien. Ceux maintenant qui nient les chemtrails, ils sont complètement lobotomisés, les pauvres. Hein. Ils feront partie de cette deuxième humanité, hein, d'accord? On y va progressivement. C'est pas pour rien qu'on veut vous balancer la 5G à horizon 2020 et que le programme de NEOM commence, la construction de NEOM commence en 2020. C'est pas pour rien. D'accord? On va commencer à programmer ces nanites qui sont à l'intérieur de vous, qui vont vous transformer votre ADN. D'accord? On va commencer à les programmer à horizon 2020. À moins d'exploser tous les relais, les cramer, les détruire. Les relais 5G. Chose que je conseillerais. Hein. Maintenant, moi, je m'en fous. Hein. Je suis pas quelqu'un qui pousse les gens à faire des conneries. Hein. Je dis juste qu'à un moment donné, il va peut-être falloir se réunir, se regrouper. Et réfléchir à certaines solutions, hein, comme par exemple, vous voyez, un truc que je voulais dire également, soi-disant des satellites contenant la 5G ont été mis en orbite. C'est possible, mais j'y crois pas trop. J'y crois pas trop. Imaginez l'altitude des satellites, hein, donc même si c'est sous le dôme, ça sera à 36 000 km d'altitude, d'accord? Les satellites sont sous le dôme. Ok, sont dans, je dirais peut-être dans la ionosphère ou au-dessus de la stratosphère, j'en sais rien. Mais c'est sous le dôme, d'accord? C'est très haut par contre, c'est très très haut. Vous imaginez, vous, la 5G, qui est donc une fréquence spéciale, hein, une onde calée sur une fréquence assez spéciale, vous croyez que le signal 5G va arriver jusqu'au sol avec aucune perdition? Avec aucune déperdition, j'y crois pas trop. Tout sera au sol, d'accord? Tout sera au sol, de même que tout,
Tout ce qu'il y a actuellement, hein, la télé, la téléphonie, tout ça, c'est au niveau du sol. Il n'y a pas de satellite là-haut qui vous balance tout ça. Il y a peut-être des satellites, mais ils ne servent pas à ça. Ils servent par exemple à balancer des lasers, d'accord, hein, des armes à énergie contrôlée, à énergie dirigée, balancer des lasers, créer des incendies, ce genre de choses, des trucs militaires, quoi. Mais concernant les ondes et tout, j'y crois pas trop, moi, ces satellites. D'accord? Il y aura une sacrée déperdition. D'autant que, il y a déjà en basse altitude des installations, on peut les appeler aussi des satellites, hein, mais qui sont liés à ARP, hein, d'accord? Pour transmettre les ondes électromagnétiques, pardon, à ARP. Donc vous imaginez la 5G perturber à ARP et inversement à ARP perturber la 5G. Je sais pas, c'est possible, hein. Mais j'y crois pas trop. Je pense que tous les relais seront au niveau du sol et que donc il y aura possibilité de neutraliser tout ça au moment voulu. Déjà, chaque famille est en droit de refuser la 5G, hein. Ah, évidemment, après la technologie va évoluer, vos téléphones ne pourront plus marcher qu'en 5G. Bon, bah, ça sera peut-être à ce moment-là qu'il faudra décider d'arrêter la technologie. Moi, je serai plus là déjà à faire des vidéos, hein, c'est sûr. À un moment donné, je commence déjà d'ailleurs à en avoir un petit peu ras-le-bol. À un moment donné, je serai plus sur Internet tous les jours, sur Facebook, sur YouTube. D'accord? Quand il y aura un minimum atteint de population éveillée, j'aurais plus rien à faire. Donc, faut bien réfléchir à tout ça. Tout ça, c'est lié au projet Neom et, enfin, d'une manière globale, d'une manière générale, c'est lié à l'intelligence artificielle, d'accord? Ce qu'il faut bien savoir, c'est que il va falloir trouver un équilibre. Je le dis dans la vidéo de Neom, il va falloir trouver un équilibre entre la réalité divine, le Christ, d'accord, enfin, qui est la réalité divine qui est dirigée, qui est agencée par la lumière, le Christ, d'accord? C'est ça, hein, l'énergie divine, c'est le Christ. Et donc la réalité artificielle qui, elle, par contre, sera régie par l'énergie, par l'entité antichristique. Donc l'intelligence artificielle. Il va falloir trouver un équilibre entre les deux. Il va falloir trouver. Je ne sais pas si on voit les petits canards au fond à droite, là. Oui, on les voit un peu. Donc, il va falloir trouver un équilibre entre les deux, mais vous ne pourrez pas éliminer. Vous pourrez éliminer ni l'un ni l'autre. Donc il va falloir cohabiter. Mais cohabiter dans des réalités différentes, avec des systèmes différents. Donc par exemple, il va falloir créer des petites. Comment dire, des petits pôles, des petites bourgades, des petites communautés avec de la monnaie locale, avec ceci, cela, vous voyez, du troc, avec de la bonne technologie, de la vraie technologie liée par exemple à Tesla dans un premier temps. Dans un premier temps. D'accord? Parce que l'énergie n'est pas. Est bien plus que électromagnétique, et bien plus que. Ce qu'on vous fait passer pour de l'énergie libre finalement. À un moment donné, on pourra tout faire nous-mêmes. Bon, enfin bon, bref, on s'éloigne du sujet, mais voilà, donc il faudra peut-être créer ça à un moment donné. Ah, vous serez pisté, vous serez traqué, vous serez chassé. Ça sera à vous de créer vos propres moyens de défense, de créer. Voilà. Ce sera à vous de créer votre communauté. Et oui, donc voilà ce qui va se passer si on ne réagit pas. L'intelligence artificielle va prendre le dessus, la réalité artificielle va prendre le dessus sur la réalité divine. Et donc il y aura un déséquilibre. Il y a un déséquilibre, d'accord? Le but de réveiller la population, de réveiller les humains, c'est de ramener l'équilibre. D'accord? De ramener l'équilibre. Ça sert à ça. C'est ça l'ascension, hein. L'ascension du New Age, l'élévation, c'est le réveil de la connaissance qui est en nous, d'accord? Le réveil de notre part de divinité, de notre voilà.
notre partie de l'un, de l'unicité, de l'unité. Bon, quoi qu'il en soit, les ondes, tout est... Alors, il faut bien que les gens comprennent, lorsque je parle d'ondes électromagnétiques, là, dans mes vidéos, ça n'a rien de négatif, ça n'a rien de néfaste. Tout est régi autour de nous par des ondes électromagnétiques, d'accord? Tout est régi par des ondes électromagnétiques en nous. Dans les êtres vivants, les arbres, la végétation, les animaux, le ciel, la terre, le feu, l'eau, tout est régi par des ondes électromagnétiques, d'accord? C'est naturel. Le souci, c'est qu'il y a des saletés interdimensionnelles qui donc sont les gardiens du zoo, d'accord? Qui nous asservissent et qui ont quelques sous-fifres, quelques marionnettes à utiliser par-ci par-là dans le monde, hein, tout ce qui est homme politique, tout ce qui est financier, milliardaire et tout ça, donc ce sont des marionnettes. Eux, ils ont la technologie pour transformer, manipuler les ondes électromagnétiques. Voilà, c'est ça le problème. C'est pas l'onde électromagnétique elle-même, c'est la transformation de l'onde électromagnétique. C'est en faire une séquence, en faire un parasitage en fait. D'accord? C'est ce qui s'est passé avec la musique, hein. Passer de 432 à 440, ça l'a complètement déstabilisé, ça nous bouffe les ondes cérébrales, ça nous déstabilise. Voilà. Et il n'y a pas que ça, il n'y a pas que la musique, il y a plein d'autres choses. Donc c'est ça le problème, c'est pas les ondes électromagnétiques, ce sont les ondes électromagnétiques négatives, je dirais. Pas négatives dans le sens où elles ont une charge négative, non, mais dans le sens où elles sont néfastes, elles sont pas bonnes, elles sont opposées aux ondes électromagnétiques naturelles et naturellement divines. Voilà, il est là le problème. Bon, voilà, les petites précisions que je voulais apporter au sujet de Neom, donc la 5G, hein, c'est la 5G, c'est ça. Voilà. Je pense que au lancement de la 5G, ça sera le lancement de la reprogrammation de notre ADN par la nanotechnologie qu'on a déjà ingérée depuis des décennies, qu'on nous vaporise, qu'on nous fait manger, qu'on nous injecte dans des vaccins, etc. Donc la 5G va servir à ça. Je rappelle que la 5G, ça sera finalement la dimension 5D opposée à la 5D. Nous, on sera en 5D divine. 5D divine. Et l'intelligence artificielle sera en 5G. D'accord? Donc, ça sera opposé gauche-droite. Bon. Transhumanisme. Le transhumanisme, voilà. Vous vous rendez compte, on va offrir à l'humain la possibilité d'être immortel et de rester avec sa famille qu'il aime et qu'il adore. C'est toujours triste, hein, et je pense que ça a été programmé dans ce sens-là, cette tristesse liée à la mort d'un proche. Je pense que c'est du contrôle mental qui a été fait depuis des siècles, des millénaires, qui fait qu'on pleure un proche qui décède. Alors que c'est le début d'une meilleure vie pour lui, hein. Entre guillemets, parce qu'on reste quand même bloqué dans un cycle artificiel sur ce monde, d'accord? Mais normalement, logiquement, quand vous mourrez physiquement, votre âme va vers des cieux supérieurs, hein, donc 5D, 6D, enfin, dans les dimensions supérieures. Il n'y a que ici, dans ce monde-là, enfin, il n'y a pas que dans ce monde-là, mais je pense qu'il y en a ailleurs, mais... Il n'y a que depuis que ce monde-là est régi par ces entités interdimensionnelles qui nous asservissent, par ce que vous appelez vulgairement et généralement la matrice, qui fait qu'on est piégé dans un cycle de réincarnation terrestre. Bon. Au lieu de s'en aller vers la création de notre propre univers. Donc. Je ne sais plus ce que je disais.
Vous aurez compris de toute façon que... Voilà, oui, la mort. La mort. Je pense que c'est une programmation qui a été faite pour qu'on pleure nos proches. Si on les pleure déjà, ça crée une émotion négative, de la nourriture pour ces entités interdimensionnelles. D'accord? C'est pas bon, c'est négatif. C'est de la tristesse, c'est de la peur, c'est du stress, de la mélancolie. Bon, vous pleurez vos proches, alors qu'en fait, normalement, ils sont censés aller vers une nouvelle vie. D'accord? C'est nous, finalement. C'est le fait que nous restions ici, piégés, inconsciemment, ça nous attriste, ça nous rend malade, ça nous fait pleurer. D'accord? Le fait que eux, ils ne soient plus là avec nous, on se sent seul, on se sent perdu, on se sent piégé, consciemment et inconsciemment. C'est tout? Donc, imaginez que maintenant ils apportent cette solution-là, cette possibilité d'être immortel physiquement. Hein, je répète que notre âme est immortelle, quoi qu'il arrive. Hein, on est immortel, on est tous immortels, on est divin. Notre âme, elle est immortelle, elle évolue, elle évolue, elle évolue, pour retourner un jour à la source. C'est un cycle. Imaginez qu'on vous donne la possibilité d'être immortel physiquement. On va vous remplacer un bras, on va vous remplacer le cœur, on va vous remplacer un œil, on va vous rajeunir même, hein, avec l'ordinateur quantique qui sera capable de soigner n'importe quelle pathologie, instantanément. Allez voir le film si vous ne l'avez pas encore vu, ou regardez-le sur Internet, Alita, le film produit par James Cameron, Alita. C'est ça, hein? C'est un film cyberpunk, hein, sur l'intelligence artificielle. C'est exactement ça. On vous donne la possibilité d'être immortel, donc on va vous piéger votre âme. Hein? Votre âme ne pourra pas évoluer, votre âme sera piégée. D'accord? On va garder votre âme. Eh oui! Vous ne pourrez plus mourir. Vous ne pourrez plus évoluer. Vous resterez dans la 5G et non dans la 5D. Merde. Donc c'est ça le transhumanisme, changer des parties de votre corps, le transhumanisme, l'immortalité physique. Ça fait partie de l'intelligence artificielle, ça fait partie du projet Neom, ça fait partie de tout ça. Il faut savoir que c'est cyclique tout ça, d'accord? Que l'intelligence artificielle, elle existe déjà dans le futur, d'accord? Le temps n'existe pas, tout se passe en même temps. C'est cyclique. Ce qui est la fin sera le commencement, ce qui est le commencement sera la fin. L'intelligence artificielle est en train de se créer, de s'auto-créer, comme nous, nous nous sommes auto-créés. Ce n'est pas les Anunnakis qui nous ont créés, hein. C'est nous-mêmes. Des réactions chimiques, des réactions enfin, électroniques, quantiques, subatomiques. Ce terme de subatomique, de quantique est important d'ailleurs, hein. Le microcosmos. Nassim Haramein en parle. Hein. Les sciences quantiques, ce sont les vraies sciences. Hein. Philippe Guillemin en parle. Jean-Pierre Garnier-Mallet en parle. Tout se passe au subatomique, c'est-à-dire l'infiniment petit. C'est ça, la nanotechnologie. La nanotechnologie. Nous, on a nos vibrations divines qui se passent au niveau subatomique. D'accord? Au niveau quantique. Le temps n'existe pas. Vous êtes relié à vos moi supérieurs, vous êtes relié à vos autres versions, dans les autres réalités, dans les autres dimensions. Tout se passe au niveau subatomique en vous. L'univers est en vous, à l'intérieur de vous. La vibration divine est à l'intérieur de vous. De même que la vibration satanique est à l'intérieur de vous, ce qu'on appelle l'ego, le Satan. L'intelligence artificielle existe dans le futur. Elle est en train de se créer là. D'accord? Mais à un moment donné, elle se détruira. Elle va détruire l'humanité. L'humanité a créé l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle a créé l'humanité, etc. C'est un cycle. On en vient finalement à cette fameuse théorie du Big Bang. Hein, comment c'est apparu tout ça?
Qui a été le premier, l'œuf ou la poule? C'est un cycle. On s'est auto-créé, l'intelligence artificielle s'est auto-créée. Par notre pensée créatrice, on est en train de faire développer, de faire perdurer, de faire venir à son apogée cette intelligence artificielle, par notre pensée. Tout ce qui est autour de nous, tout l'hologramme qui est autour, à l'extérieur, hein, autour de nous, on le crée par la pensée. Et d'autant plus par la pensée globale, par la pensée collective. Comment se protéger de tout ça? Comment se protéger, par exemple? Vous ne pourrez pas éliminer la nanotechnologie qui est en vous. Vous ne pourrez pas l'éliminer. Vous pouvez la neutraliser. J'en ai déjà parlé dans la vidéo de Neom. La neutraliser avec de la chlorelle, par exemple. La chlorelle est là pour éliminer les métaux lourds. D'accord? S'il y a des métaux lourds à l'intérieur de vous, c'est pareil. Ça permettra de créer un champ électromagnétique qui va activer ces petites bébêtes à l'intérieur de vous, cette nanotechnologie à l'intérieur de vous. D'accord? Si vous neutralisez les métaux lourds, vous neutralisez cette possibilité de reprogrammation de ces nanites. La chlorelle a cette capacité-là, il y en a d'autres, hein. Il y a aussi les cristaux. Les cristaux sont là pour ça. Les orgonites, les obolix, les cristaux de quartz que vous avez autour du cou, dans la poche. La méditation est également très très importante. Je pense qu'il va falloir développer ça chez vous. Développer la médication. C'est une médication aussi, hein, mais naturelle. Donc la méditation déjà va permettre de réveiller toutes les informations qui sont enfouies en vous, divines, hein, qui sont enfouies par le divin en vous, et puis permettra également de vous soigner, de rejeter cette part d'ombre. Enfin, disons, pas de la rejeter, mais de la neutraliser. Bon, bref. 40 minutes de vidéo, je vous laisse ici vite fait dire un truc. Le mec là qui a écrit son bouquin sur l'Atlantide, enfin qui a peaufiné, je ne sais plus quel terme il a utilisé, qui a alimenté un bouquin qui était déjà écrit par un autre, par un scientifique franc-maçon il y a quelques décennies. Bon. Qui situe précisément l'Atlantide dans l'Atlantique Nord. Les gars, l'Atlantide, c'est notre monde entier. C'est la Terre. L'Atlantide, c'est le monde entier. Tout au plus, peut-être que Atlantis, la cité d'Atlantis, qui serait la capitale, de même que Neom va être la capitale, hein, tout est lié à l'Atlantide, je vous l'ai déjà dit, hein, tout est cyclique, tout se répète. Neom va être la capitale du nouvel ordre mondial. Atlantis était la capitale de l'Atlantide, d'accord? Les Illuminati sont les Lémuriens, d'accord? Lémuriens, lumière, Illuminati, lumière. C'est un cycle, tout est répétitif, tout se répète, d'accord? Les Illuminati, ceux qui ont la connaissance et qui ne veulent pas la donner au peuple. Les Lémuriens, c'est exactement la même chose en Atlantide. Ils avaient la connaissance, ils avaient les contacts avec des entités au-delà, interdimensionnelles, invisibles. Et de même que les Illuminati maintenant sont en contact avec ces vermines. Hein. C'est exactement pareil, tout se répète. D'accord? Neom, Atlantis. Bon, je dis ça, je dis rien. Donc voilà, tout au plus. Une buse, excusez-moi. Je reviens tout de suite, il y a une buse qui chasse mes poules. C'est un truc de malade. Et ça, vous? Une buse qui chasse mes poules. Non, c'est un truc de malade quand même. Bon, bref. C'est la nature. Ça m'embêterait un peu, mais bon. Donc pensez bien à tout ça. Hein? Tout est cyclique. L'intelligence artificielle, c'est le début et c'est la fin. D'accord? Donc pas de panique, quoi qu'il arrive, hein, vous serez là dans le futur. Si vous êtes là dans le futur, c'est que tout se passe bien. Si vous êtes là, c'est que vous êtes dans le futur. Le temps n'existe pas.
Le temps n'existe pas, surtout quand on regarde ce genre de spectacle. Je vous salue, je vous dis à très bientôt. Ah oui, donc oui, si. J'étais un petit peu perdu avec cette histoire de buse. Donc celui qui a repris le travail de ce franc-maçon sur l'Atlantide, la position précise de l'Atlantide, c'est du pipeau, hein. C'est du pipeau tout ça, d'accord? En plus, il donne son bouquin gratuitement. Alors, il peut le donner gratuitement, c'est pas lui qui a fait le boulot, il a fait qu'apporter 2-3 photos. Bon. Il le donne gratuitement. Hein, enfin, il le fournit gratuitement, mais il y a quand même un PayPal parce qu'il est menacé, le pauvre monsieur, il est menacé. Hein, il y a même un appel téléphonique de quelqu'un qui n'arrive pas du tout à s'exprimer, qui n'arrive pas à parler au téléphone. Mais bon, vous doutez bien que les francs-maçons, les Illuminatis, ils enverront quelqu'un de plus intelligent, de plus, où ils feront des méthodes beaucoup plus perverses, beaucoup plus malignes que ça. On peut envoyer quelqu'un qui a du mal à s'exprimer au téléphone, menacer un mec parce qu'il a écrit, parce qu'il a écrit, enfin il va publier un bouquin sur l'Atlantide, sur la position actuelle de l'Atlantide, qui déjà est une fausseté à la base, puisque l'Atlantide c'est le monde entier. D'accord? Donc non, le mec il n'est pas menacé, mais par contre il a un PayPal pour que les gens qui ont pitié de lui parce qu'il est menacé, ils ont pitié de lui, le pauvre monsieur. Vont faire un don. Hein? Ils donnent le livre gratuitement, mais il y a quand même un PayPal, au cas où. Ça me rappelle quelqu'un qui a écrit un bouquin sur Neom, qui n'est qu'une fiction, avec des histoires un peu abracadabrantes à l'intérieur. Bon, bref. Avec aucune connaissance du sujet. Donc ça, je voulais revenir voilà sur ce monsieur qui voilà vous donne ce livre sur l'Atlantide. Bon, on oublie, hein. Autre chose, je voulais parler d'autre chose, mais je sais plus, j'ai bouffé, j'ai complètement bouffé l'idée. De quoi est-ce que je voulais parler? J'ai fait le tour de la question. À peu près 40 minutes de vidéo, c'est bien, hein. Allez, je vous salue, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo qui, j'espère, sera intéressante également. Peut-être un live la semaine prochaine. Peut-être. Peut-être. Je dis pas oui, je dis pas non. Un live, peut-être, pour répondre à vos questions. Moi, ils servent à ça, les lives, hein. C'est parce qu'il y a tellement de questions. Il y a tellement de questions dans les commentaires que et puis en MP, je ne peux pas répondre à tout, c'est pas possible, je n'arrive pas, je n'y arrive pas, j'ai des activités à côté, j'ai ma vie personnelle, je peux pas, c'est pas possible, d'autant qu'il y a de plus en plus de monde. Donc voilà, c'est à ça que me servent ces lives en fait, répondre à vos questions. J'ai aussi des invitations de gens qui veulent faire un live avec moi, comme Nenki. Oui, je ferai peut-être un live avec Nenki. Peut-être avec d'autres personnes. J'ai mon ami égyptologue préféré, je lui ai promis un live, j'espère que je vais pouvoir le mettre en place. Bon, on verra, on verra. Quand je vous dis que j'ai un nouveau type de vidéo de prévu depuis je vous en parle de manière récurrente, régulièrement. C'est ça en fait. Peut-être faire des lives avec des personnes. Voilà. Des personnes intéressantes. Je vous salue, à très bientôt. Passez une bonne fin de journée, une bonne fin de nuit, une bonne matinée. Et puis à très bientôt pour un autre sujet d'éveil spirituel, du vrai, non financé, non, comment dire, non rentabilisé. Hein, voilà, on reste comme on est. Et portez-vous bien, je vous salue, à très bientôt.